Le programme régional d'appui au pastoralisme au Sahel est la bienvenue. Avant le PRAP, nous travaillons dans des conditions difficiles. Les bâtiments sont délabrés, les pistes pastorales sont obstruées, les parcs de vaccination sont presque inexistants et en très mauvais état. Les conflits existent entre agriculteurs et éleveurs par rapport à l'extension des terres cultivables, entre éleveurs autour, surtout des bourgoutiers. L'objectif est simple, pouvoir rendre de meilleurs services aux communautés pastorales, de manière à les accompagner dans leur développement, redonner des perspectives au pastoralisme et se donner aussi les moyens de pouvoir gérer les crises lorsqu'elles se produisent. Le projet, en quelque sorte, a 5 composantes opérationnelles. Donc, il y a une composante de santé animale, sur la santé des animaux. Il y a une composante de gestion des ressources naturelles qui va s'occuper des aménagements pastoraux. Il y a une composante d'accès au marché, donc qui va s'occuper des aménagements, des infrastructures marchandes. Et il y a une composante de gestion des crises pastorales. Et la 5e composante, ça c'est la composante de gestion du projet. Chaque composante est liée à des directions, une ou quelques directions de l'État. Et donc dans ces directions, il y a des points focaux qui sont chargés de porter les activités de la composante vers le terrain. Donc de la direction nationale et aux régions, des régions vers les cercles et des cercles sur le terrain pour les bénéficiaires. Avant l'acquisition de cette mare, nous étions confrontés à la destruction du fleuve dû au dragage, ce qui a causé la mort de beaucoup d'animaux qui s'abrivaient ici des passages en provenance des zones de Ganadougou et de Koutchala pour la Côte d'Ivoire. C'est le projet qui a mis fin à ces calvaires. Nous avons maintenant constitué un comité de gestion qui fixe les prix pour chaque troupeau qui passe. Les villages et la mairie tirent leurs profits et la santé des animaux est garantie. Nous, comité de gestion, nous avons fait un peu de temps. Et puis, nous avons fait un peu de temps. 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 Nous avons fait un La réalisation du parc, c'est pour quand même une sécurisation vraiment du bétail. Parce que ça permet aux propriétaires des animaux de se reposer et de pouvoir marchander. Le château d'eau, c'est venu pour le marché, mais aujourd'hui, tous les villages s'approvisionnent à partir de ce marché. Il y a des hangars qui sont construits, les foires ne s'achètent plus au soleil. Tout le monde fait le marché sous ces hangars. Les abreuvoirs qui sont faits, chaque veille du marché, ces abreuvoirs sont remplis d'eau. Donc tous les animaux qui quittent les environs viennent s'abreuver au marché.
on ne voit plus au fleuve. Parce que des fois, quand ils amènent les animaux au fleuve, il y a d'autres qui fuient. Avant le château d'eau, là, le problème d'eau se pose de façon cruciale à ce niveau. Donc, grâce à l'activité, voilà que nous avons de l'eau ici. On leur demande de prendre soin vraiment de ces infrastructures-là. Non seulement nous la cananendo et puis fana a baraka teli sisan no projet nané ni menen nuyé maintenant ou bi nono ke tankono ka wuli et refroidisseur bi ano ou ba a refroidi asacheji fana ou bi soroka a do asacheji fana kono rapsie ni magasin mi dale en fayan ka jo en fayan no ou magasin a joroka bonko du jeunesse bulu parce que bibi na niko dugu jiriwa iko jeunesse baga mara atita jeunesse ko baga du fana tsaka mara ni truto ni blanro ti soro ala won ni magasin mi jola en fayan truto de bina toka bla ko ana ke sababu ye anga baga mbi truto soro anyana man ka soro ama tien ama foi parce que ça ni magasin ka soro en fayan folo anga truto ko mbi dugu ko na de la magasin mu ndu ma chamana ak mbi luwe de ji bi se ka jiga kan truto bi se ka tien abla toko yere fana mai ibi ta do santuma do le ba soro boko de nono apore dugu malala ni magasin mi jola en fayan o bina saka ke sawuye kan kisi olu be ma kan tan olu be ma a magasin jola aywa barabe ka ka kono an noara baran julo ma an noara baran temetal ma an noara aywa population era be ma kuria magasin ni mamba jora o tabe a jola min kama o ye baran baloy ba nga nunu mbi ne bulo akalo amba kalo nan nari kono nana baganu no dilama ku hokumu kono uyan wele kata formation kanfu aga kanga ke chugumina uyo fanyana ko fe uklala kana wele kata wardama kanga baganu nusa nya do sahara saso kunchino me nambora sesa amina do sangilea nyo balo mwonana na ukonyere ai uidon ke ucheka indon mfana ni ufiri no feri nya do machine ngome yaninga debureka sogla machine fanan alebe fisa don meseka le feri apma seka sagan lado kuraitun ngwan mafu aga baran man albi agela ma banyere in soro nkwantana ngo e jamo re mejia so kaso do kono alani kalamba o kera so bui amina bo kaso kono yanan tache nga demsanu nu wila uleke ukata fo kubita nono mguni fonsa ne rabi nono baile makaja ne yaurdu ma o bebe konta vraiment ambi fulke paspi alibi ala ku bulome ko parala uye na fami ndo anku albi na kabi ala ka do faru ka baraka nga fuli be prapsie nga fuli be bank mondial mo koy service technique mu nu fanaye prapsie demeni baran na nga fuli ko paye
n'a foli bɛ an ka dugu ɲɛmɔgɔw fana bɛɛ lajɛlen. Zenasi tɔgɔ la, aw bɛɛ lajɛlen cari baraji.